Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une magnifique terrasse en bois de 43 mètres carrés de A à Z. Et pour que ce soit le plus écologique possible et le plus simple à installer, à la place du béton, on va utiliser des vis de fondation. Salut, moi c'est Julien et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Salut tout le monde! Si vous avez suivi le chantier de ma maison en conteneur maritime, vous savez que j'aime pas le béton. Ça pollue, ça détruit le sol, c'est chiant à faire. Bref, moi pour les fondations de ma maison, j'avais choisi de ne pas utiliser de béton, mais d'utiliser à la place des vis de fondation, des technopieux. C'est des vis qui viennent s'enfoncer à 2 mètres dans le sol et qui peuvent soutenir plusieurs tonnes. Pour ma terrasse, j'avais envie de rester dans cette même logique de fondation écologique et facile à mettre en place, mais utiliser des technopieux, ça serait un petit peu surdimensionné. Donc j'ai plutôt contacté l'entreprise Wheezyfix, qui fait des vis de fondation plus petites, spécialement conçues pour les terrasses, les carports ou les panneaux solaires par exemple. L'avantage de ces vis, surtout, ça va être que je vais pouvoir les installer moi-même. Pas besoin de faire appel à un professionnel. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo et surtout je vais vous montrer étape par étape comment j'ai construit cette terrasse en bois de 43 mètres carrés. L'objectif vraiment, c'est que cette vidéo soit la seule que vous ayez besoin de regarder pour construire votre terrasse en bois facilement, de manière écologique et de manière très jolie. C'est parti! Avant de commencer les travaux, il faut savoir déjà à quoi ressemblera notre terrasse, quelle taille elle fera, dans quel sens on veut nos lames, tout ça. Donc on va faire ce qu'on appelle un calpinage, c'est-à-dire qu'on va dessiner notre terrasse en partant du haut, donc les lames de terrasse, et en regardant en dessous ce qui va se positionner, donc les chevrons, les madriers et enfin les fondations. On part toujours du haut vers le bas et ça nous permettra de savoir exactement où positionner nos vis de fondation, combien on en a besoin, etc. On aura donc besoin de 16 vis de fondation, 8 madriers, 20 chevrons et 68 lames de terrasse pour pouvoir faire les 43 mètres carrés. Pour mon calpinage, on est donc d'abord parti de mes lames de terrasse qui font 4,2 mètres et qui seront placées perpendiculairement à la maison. Pour soutenir ces lames, il faudra placer des chevrons de 65 par 85 tous les 60 cm. Pour soutenir ces chevrons, il faudra placer 8 madriers de 70 par 220 tous les 1,40 m avec un déport de 25 cm de chaque côté. Et au final, sous ces madriers, je vais avoir besoin de 16 vis de fondation positionnées à 60 cm du bord pour avoir une portance maximale de 3 mètres. Les sections de bois que j'ai utilisées, c'est ce que Wheezyfix m'a conseillé et c'est aussi ce que la scierie m'a conseillé. C'est aussi surtout ce que la scierie avait en stock parce que je ne suis pas passé par le Roi Merlin ou une grande chaîne de bricolage. J'ai préféré aller en scierie parce que c'était de la meilleure qualité pour moins cher. Par contre, ils ont des stocks qui varient énormément, donc j'ai dû faire avec ce qu'ils avaient en stock. Vous aussi, ça variera très certainement. Vous ne trouverez pas exactement ce que j'ai, mais ce n'est pas grave. Il y a des équivalents. Maintenant qu'on a notre structure, qu'on sait combien on a besoin de vis, et ben c'est parti pour faire la commande et pour visser nos vis de fondation. Comme je vous le disais, j'ai préféré utiliser des vis de fondation plutôt que des plots en béton parce que c'était plus écologique, ça ne détruit pas le terrain, on peut les dévisser et le terrain est resté à l'état naturel et surtout c'est très simple et très rapide à installer. Ces vis, elles ont une durée de vie de 50 ans, donc sachant qu'une terrasse en bois, ça a une durée de vie de 15 à 20 ans, je vais pouvoir en construire plusieurs des terrasses sur ces vis, donc c'est très bien au niveau de la durée de vie. Et des vis, il en existe de différentes tailles, de 55 cm jusqu'à 1,75 m. Là, c'est une vis de 1,25 m par exemple. Pour savoir quelle vis je vais devoir utiliser, il faut que je sache la nature de mon sol. Et donc pour ça, il va falloir que je teste la résistance du sol avec le kit fourni par Wheezyfix.
Ce kit de test pour votre sol, vous allez pouvoir le récupérer dans le magasin qui va vous vendre les vis WeezyFix. Et il est composé d'un marteau perforateur, d'une tige de 1m25, d'un tapis EPDM avec une pointe perdue. Comment est-ce que le test fonctionne? Et bien c'est très simple, on va venir enfoncer cette tige dans le sol. Et en fait, cette tige, vous voyez, elle est marquée tous les 20 cm. Nous, on va venir observer en combien de temps elle s'enfonce entre chaque marque. Si elle met 3 à 5 secondes à s'enfoncer entre deux marques, ça veut dire qu'on atteint la profondeur minimum pour que la vis puisse supporter 750 kg. Pour le test, je vais régler le marteau perforateur sur le mode marteau, intensité 2. Je vais venir mettre ma tige dedans. Hop. Tac, c'est bon. Je vais pouvoir prendre tout ça, le mettre dans la pointe perdue. Et là, je suis prêt à l'enfoncer dans le sol. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon smartphone pour me filmer. Ça va me permettre ensuite de revoir les images et donc de mesurer précisément combien j'ai mis de temps à passer entre chaque marque. Maintenant, je vais pouvoir regarder la vidéo que j'ai prise avec mon smartphone pour analyser combien de temps j'ai mis à passer entre chaque repère. On voit que entre le deuxième et le troisième repère, je suis passé de 18 secondes à 25 secondes, donc j'ai mis 7 secondes. Donc en soi, disons que le troisième repère, ça pourrait suffire, ça veut dire 60 cm, mais pour plus de sécurité, regardons entre 25 et 34. Voilà, bon, on a mis 9 secondes pour passer entre le troisième et le quatrième repère. Donc 80 cm de vis, on est vraiment très très bon. Il faut aussi prendre un peu des marges d'erreur parce que là il fait très sec, donc le sol est dur. Quand il pleut, mon sol sera plus mou. Donc bon, disons qu'une vis de 80 cm, ça fera largement l'affaire. Mais sachant que les vis peuvent ressortir un peu du sol, de 10, 15, 20 cm. Donc moi j'ai décidé de partir sur des vis de 1 mètre pour ma terrasse. Avant de venir visser les vis de fondation, je vais d'abord tondre l'herbe le plus court possible et je vais fixer un géotextile avec des agrafes sur toute la surface de ma future terrasse. Même s'il n'y a pas beaucoup de lumière sous les lames, ça évitera que des végétaux poussent et transmettent de l'humidité au bois, ce qui réduirait sa durée de vie. Ensuite, j'ai repéré l'emplacement des vis en dessinant des repères sur le géotextile et je viens découper des petites croix pour laisser passer les vis. Passons enfin à l'installation des vis de fondation et la première étape, ça va être de faire un avant-trou avec une barre à mine et notre masse. On enfonce la barre à mine de 40 à 60 cm, ça va permettre ensuite de guider notre forêt quand on percera notre vrai trou qui accueillera la vis. Ensuite, on va venir forer en fait un pré-trou pour que la vis rentre plus facilement. Là, on va réutiliser le marteau perforateur, un foret de diamètre 35 et je vais devoir faire un trou un petit peu moins profond que ma vis. Donc là, je sais que ma vis va ressortir de 10-15 cm, elle va faire 1 mètre, donc je vais pré-percer à 70-80 cm. Là, je me mets bien en intensité 5 cette fois-ci, en marteau et visseuse, quoi, enfin marteau-perceuse. On va pas hésiter aussi à faire des allers-retours pour ressortir la terre du trou. Ah, c'est lourd. Donc la première étape, c'était l'avant-trou avec la barre à mine. Ensuite, la deuxième étape, c'était notre forage avec le foret adapté. Et la troisième étape, c'est qu'on va venir lubrifier ce trou avec de l'eau pour que la vis rentre plus facilement et surtout que la terre s'agglomère mieux autour de la vis pour mieux la fixer. Je vais d'abord venir placer la vis à la main. Voilà, dans le trou. Je la visse pour qu'elle tienne correctement. Et je vais mettre la tête de vis WeezyFix. Je vais venir la visser par-dessus avec ma visseuse à choc. Hop. Et ça, ça va me permettre de visser dans le sol. Ensuite, je vais pouvoir utiliser une énorme boulonneuse à choc. Pareil qu'on récupère là où on achète les vis. Et il y a un niveau à bulles sur la WeezyHead pour enfoncer la vis bien droit dans le sol. We'll be right back.
Maintenant, je vais vous montrer comment faire en sorte de visser toutes les vis à la même hauteur pour que votre terrasse soit de niveau. Pour ça, on va venir positionner notre première vis à la bonne hauteur. Donc là, par exemple, disons que c'est celle-là. Moi, j'ai calculé la hauteur de la vis pour que la terrasse finale arrive à ras de ma baie vitrée. Cette vis-là, ça va être ma vis de référence. Je viens mettre ma boulonneuse à choc dessus. Voilà. Sur ma boulonneuse à choc, vous entendez le bip bip, j'ai mis un récepteur de niveau laser. Et en face, je vais venir placer mon niveau laser pour que le récepteur bip. Voilà. Voilà. Quand vous entendez voilà, ce son qui bip très rapidement ou qui est continu, ça veut dire que mon niveau laser est bien en face de mon récepteur. Et donc, quand je vais visser la prochaine vis, quand ma boulonneuse atteindra la bonne hauteur, ça bipera et je saurai que ma vis en face est exactement au même niveau que cette vis-là. Et voilà, c'est bon, j'ai installé les 16 vis de fondation pour ma terrasse, ça m'a pris un peu plus de 2 heures, j'ai pas tout fait tout seul, mon père m'a bien aidé. Et maintenant, je vais pouvoir visser les têtes Wizifix Wood Pro sur chacune des vis, c'est ça qui va venir accueillir les madriers, et on va en discuter tout de suite dans la partie structure. Pour installer le Wood Pro, c'est très simple, je vais venir le visser, il faut qu'il y ait au moins 1,5 à 2 cm qui rentrent dans la vis pour que ce soit bien renforcé, quoi. Donc on vient, on visse ça tranquillement. Voilà. Ce connecteur Wood Pro, il va nous permettre de corriger si notre vis est trop basse. On va pouvoir monter plus ou moins le connecteur pour avoir un madrier bien de niveau. On va également pouvoir bouger cette platine de gauche ou à droite. Ça va nous permettre de recentrer notre madrier. Et puis pareil, si la vis, elle n'est pas de niveau quand on l'a enfoncée dans le sol, en fait, on va pouvoir venir corriger de quelques degrés notre madrier pour qu'il soit bien droit, bien en face. Enfin voilà, c'était vraiment pour ça que j'ai choisi ces connecteurs. Ils permettent de rattraper les erreurs du passé. Pour la première partie de la structure, on va utiliser un madrier qui fait 70 par 220 et qui est traité autoclave. Toute la structure, toute la terrasse, tout est traité autoclave pour pouvoir résister aux intempéries en extérieur. C'est ce qu'il faut pour une terrasse. Et pourquoi j'ai pris une aussi grosse section de bois? C'est parce que j'avais besoin de quelque chose qui puisse porter mon poids avec 3 mètres entre mes deux vis de fondation. J'aurais pu mettre une troisième vis de fondation au milieu et donc mettre une section de bois moins importante. Mais en fait, vous allez le voir dans la partie prix tout à l'heure, les vis coûtent quand même assez cher, ou du moins plus cher que le bois. Donc ça vaut plus le coût économiquement parlant de mettre des grosses sections de bois et moins de vis. Toute la structure en bois de ma terrasse, je l'ai achetée à la scierie à côté de chez moi. Merci à la scierie Vado d'ailleurs. Le problème de la scierie, c'est que tu choisis pas vraiment les sections qu'ils ont. Moi, ils n'avaient que des madriers de 5 mètres de long, alors qu'il me fallait du 4,20 mètres. Donc, j'ai été obligé de couper. Et quant aux coupes, il faut traiter les découpes avec du traitement autoclave pour que le madrier reste bien imperméable et traité, on va dire. Donc, je viendrai mettre 2 couches, une première maintenant et une deuxième dans quelques heures quand ça aura séché. Avant de faire mes réglages de hauteur, de niveau, etc. avec le Wood Pro, je vais déjà venir visser le madrier avec des vis inox A2 qui sont prévues pour être en extérieur. Maintenant, je vais pouvoir régler la hauteur de mon Wood Pro pour que le madrier de gauche soit exactement au même niveau que mon madrier de droite. Donc j'ai mis ma règle de maçon, j'ai mis mon niveau à bulle. Je vois que ok, il faut que je lève un petit peu ce madrier. Ma vis est un petit peu trop basse. Pas de problème, je prends une multiprise. Et là, hop, je donne quelques coups. Ça fait remonter mon connecteur Wood Pro. Je regarde mon niveau à bulle. C'est parfait. Maintenant que j'ai réglé la hauteur de mon madrier grâce à mon Wood Pro et que je sais qu'il est exactement au même niveau que celui à côté, je peux aussi faire la distance, l'entraxe entre mes deux madriers. Sur mon calepinage, je sais que normalement j'ai 1,40 m. Donc je vais venir vérifier ça.
Hop. Et là, je suis à 1m41. Pas de problème. Je peux ramener un peu la poutre vers moi. Je peux la décaler de 1 à 2 cm. Et là, parfait. Je suis à 1m40. J'ai mon bon anthrax. J'ai pu rattraper les petites erreurs, les petits centimètres de hauteur, d'anthrax que j'ai pas bien fait parce que j'ai mis mes vis voilà, du mieux que je pouvais, mais on fait toujours des erreurs. Là, j'ai tout pu rattraper. Deuxième partie de la structure, les chevrons en 65 par 85, toujours autoclave. Pourquoi cette section? Parce qu'il fallait qu'il puisse supporter un anthrax de 1m40, donc il me fallait du 65-85, et je vais venir en placer un tous les 60 cm pour ensuite pouvoir accueillir mes lames de terrasse. Encore une fois, c'est ce qui est prévu dans le DTU. Je vais pouvoir visser ces chevrons avec des vis Spax Inox A2 de 160 cm, et après, bah, c'est parti. Et voilà, après 4-5 heures de travail à deux personnes, la structure est enfin prête, prête à accueillir les lames de terrasse, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mes lames de terrasse font 27 mm d'épaisseur par 145 mm de largeur, et je trouvais ça plus esthétique de mettre des lames de directement 4,20 m qui font toute la largeur de la terrasse. À Leroy Merlin, dans les magasins de bricolage grand public, c'est souvent des lames de 2,40 m. Faut faire des raccords, la qualité de ces lames est épouvantable, et pour un tout petit peu plus cher, en Syrie, tu as des lames de 4,20 m de très haute qualité. Donc pour moi, le choix était rapide, j'ai choisi celle-là. Malgré le fait que toute ma structure et mes lames de terrasse soient traitées autoclave, ça veut dire que c'est fait pour l'extérieur, ça résiste aux intempéries, je vais quand même rajouter une bande de PDM sur mes chevrons, en dessous de mes lames de terrasse, pour protéger encore plus ma structure. C'est ce qui est conseillé de faire dans le DTU, le document technique que les professionnels suivent quand ils font des terrasses. Donc voilà, c'est pas obligé de le faire, mais c'est conseillé par les professionnels, et moi j'ai envie de faire ça bien. Donc c'est parti. Je vais éviter de dérouler la bande de PDM sur toute la longueur parce qu'après, avec la chaleur, ça risque d'être collant quand je mettrai la suite des lames. Donc je vais les dérouler petit à petit en même temps que je mets mes lames de terrasse. On va venir placer notre première lame, et c'est là où il va falloir faire le plus attention. Je vais utiliser déjà une équerre pour partir bien droit, à 90 degrés. Et ensuite, je vais vous présenter un petit outil qui va me permettre de mettre mes vis toujours à la même distance sur la lame, donc grâce à ce guide de perçage. Ensuite, j'ai un petit foret spécial avec une fraise au bout qui me permet de faire un chanfrein pour que ma vis rentre sans percer, sans fissurer en fait la lame. Et ensuite, j'ai un troisième petit embout avec une butée au bout qui va me permettre de visser mes vis et qu'elles s'arrêtent pile au ras de la terrasse, pas que j'aille trop loin et que j'ai des petits trous au niveau des vis. Voilà, ces trois outils, c'est Wallcraft qui les fait. C'est vraiment pas indispensable, mais ça rend un rendu plus esthétique. Ça fissure moins les lames, donc peut-être que ça tient un peu plus dans le temps. Bref, c'est comme ça que font les professionnels si vous voulez avoir des vis bien droites et pas vous faire critiquer en commentaire de vidéos YouTube. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc là, j'ai placé mon guide. Je viens faire un petit pré-trou dans chacun des emplacements. Ok, je peux l'enlever. Ensuite, je perce en entier. Vous pouvez voir que ça a fait un petit chanfrein pour que ma tête de vis rentre parfaitement sans fissurer le bois. Et ensuite, je viens visser ma vis avec l'embout spécial. Et elle va s'arrêter justement juste à ras. Voilà, vous pouvez voir, pile à ras, je mets la deuxième. Voilà.
Ensuite, je viens placer ma deuxième lame et là, j'ai des petits espaceurs avec différentes tailles. Et moi, je vais venir espacer toutes mes lames de 7 mm. C'est ce que la scierie m'a conseillé pour que le bois puisse se dilater sans que ça fende à chaque fois les lames, quoi. Donc là, je mets mes petits espaceurs de 7 mm de partout. Je cale bien ma planche contre. Et voilà, maintenant que j'ai mis ma deuxième lame avec mes espaceurs, donc j'ai un espace régulier de 7 mm, je vais venir mettre mon guide. Donc là, cette partie-là, c'est la vis que j'ai mis avant. Et donc je suis sûr que je serai toujours bien aligné et que j'aurai toujours le même espacement. Et je préperce. Hop. Et voilà, la terrasse est enfin terminée. On a mis une bonne journée à 3-4 personnes pour tout finir. Ça prend quand même du temps de mettre chaque lame, de faire en sorte que les vis soient bien vissées de manière propre. Mais voilà, ça se fait tranquillement, on n'a pas eu de gros problèmes. Et maintenant, je vais vous détailler le coût de cette terrasse de 43 mètres carrés. Commençons par les vis de fondation de chez Wheezyfix, le partenaire de cette vidéo. Ces vis, elles sont achetables chez plein de magasins partenaires où les vis de 1 mètre coûtent 74 €. Les connecteurs Wood Pro coûtent 43 €, ce qui nous fait 117 € par vis. Alors j'aurais pu prendre des connecteurs moins chers que le Wood Pro. Il y avait le Wood Basic, il y avait plein d'autres modèles. Mais j'ai vraiment choisi le Wood Pro parce que c'était celui qui me faisait gagner le plus de temps lors de l'installation et qui me permettait le mieux de corriger toutes les petites erreurs que j'avais pu faire avant. En hauteur, en largeur, enfin, vous l'avez vu dans la vidéo quoi. Pour 16 vis, j'en ai donc eu pour 1872 € au total. Et si on rajoute l'allocation du matériel pour visser les vis, on peut arrondir à 2000 €. Ensuite, pour le bois, les prix varient énormément en fonction de la qualité que vous allez choisir, de la taille, donc les sections, et de l'urgence de votre demande. Mes 8 madriers m'ont coûté 700 € et mes 20 chevrons, 450 €. Si on ajoute les 200 € de bancs de PDM et les 50 € de vis, on arrive à 1400 € pour la structure en bois. Et enfin, les lames de terrasse. J'avais pas envie de prendre des lames premier prix chez Leroy Merlin, Casto, etc. parce qu'elles étaient vraiment de pas bonne qualité. Donc ça allait pas être rentable dans le temps. À Leroy Merlin, Casto, tout ça, ça coûte à peu près 20 € le mètre carré. Là, j'ai préféré aller pareil en scierie. Mais malheureusement, ils avaient que du choix A, donc la meilleure des meilleures qualités de lames de terrasse. Et là, on était sur 28 € le mètre carré. Mais au moins, j'étais livré rapidement et je sais que ça durera dans le temps. Donc au total, pour 43 mètres carrés de terrasse, j'en ai eu pour 1200 € de lames et pour les visser, il m'a fallu un peu moins de 1200 vis, soit 200 €. Ce qui nous fait un total de 4800 €. J'aurais sûrement pu tirer le coût bien plus bas que ça, en prenant déjà du bois de moins bonne qualité, en ne mettant pas les bancs de PDM, mais bon, ça aurait été des choix qui n'auraient pas été très rentable, on va dire, sur le long terme. J'aurais aussi pu prendre des plots en béton à la place des vis de fondation ou des connecteurs moins chers sur mes vis de fondation. Ça aurait peut-être pu réduire un petit peu le coût. Mais voilà, j'avais envie d'une terrasse qui dure dans le temps, qui soit belle, qui soit écologique, qui soit simple à installer. Donc, je regrette absolument pas mes choix. Mais voilà, si vous êtes vraiment ric-rac niveau budget, il y a toujours moyen de tirer un peu plus vers le bas après à voir si c'est rentable sur le long terme. En conclusion, ça m'a pris à peu près 3 journées pour faire cette magnifique terrasse en bois. À chaque fois, j'étais accompagné d'une ou deux personnes parce que c'est compliqué quand même de faire tout ça tout seul. Mais voilà, ça a été assez simple à réaliser et maintenant, il ne faut pas que j'oublie l'année prochaine de traiter le bois avec un saturateur pour qu'il ne grise pas, qu'il garde sa belle couleur et surtout qu'il dure dans le temps. Quand vous construisez une terrasse en bois, c'est vraiment pas un point à négliger. Il faut entretenir sa terrasse, il faut la nourrir. En fait, il faut nourrir le bois une fois tous les 3 à 5 ans avec un saturateur. Un saturateur, voilà, ça va vous coûter à peu près 150 à 200 € tous les 3 à 5 ans pour faire les 43 mètres carrés. Ça devrait prendre une demi-journée. Donc, c'est pas beaucoup de travail, ça coûte pas très cher. Mais au-delà d'éviter que le bois grise, ça lui permet aussi de durer dans le temps. Et moi, de toute façon, il faut que je le fasse pour mon bardage de ma maison aussi.
Donc voilà, je vais acheter des gros pots, je vais m'y mettre un jour ou deux et je vais tout faire pour que ma maison garde cette belle couleur de bois et surtout dure dans le temps. Si vous voulez construire une terrasse en bois, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et si vous voulez construire une maison en conteneur maritime, on a sorti un e-book gratuit que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Ça vous permet de voir un peu déjà les bases pour construire votre maison. Et sinon, on a aussi sorti une offre d'accompagnement où on vous aide directement de A à Z à construire votre maison conteneur. Si ça vous intéresse, vraiment, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo justement jusqu'à la fin et à très bientôt pour d'autres tutos sur cette maison conteneur, d'autres tutos panneaux solaires, d'autres vidéos très chouettes. Abonnez-vous. Allez, salut.